toujours en Sicile ce matin, dans la région de Palerme, mais bien entendu toujours au volant de cet Audi A6. Et vous voyez, c'est quand il y a des passages pluvieux comme celui-ci que l'on apprécie, comme sur cette voiture, d'avoir une transmission intégrale permanente et de rouler en tout confort et dans le plus parfait silence. Très agréable. Donc on fait un petit peu de route maintenant pour se rendre à Campo Felice di Rocella. Alors ça ne vous dit probablement rien. Et si je vous dis Targa Florio, ça vous parle plus? Targa Florio, c'est l'une des courses historiques les plus connues dans le monde. Elle a lieu chaque année ici en Sicile. De nombreux pilotes y ont participé, dont je me souviens une année d'ailleurs, le Sicilien français Jean Alesi. On va donc au musée de la Targa Florio à Campo Felice di Rocella. Bonjour. Buonasera. Merci de nous recevoir. Alors déjà, pourquoi la course a été organisée ici? La course a été inventée par Vincenzo Florio, qui était le fils d'une famille très riche de Sicile, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Il a décidé de réaliser cette course et de se lancer comme un défi, l'organiser là où il n'y avait même pas de route. C'est pour ça qu'il a choisi les montagnes de Sicile. Alors parmi quelques noms célèbres qui sont venus ici, Ferdinand Porsche et Enzo Ferrari. Enzo Ferrari, avant d'être le plus illustre constructeur de l'histoire automobile, a commencé comme pilote. Il a travaillé chez Alfa Romeo, puis il a amené la Scuderia vers le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Alfa Romeo e la gestiva lui, poi fondò la Ferrari ed è la Ferrari che conosciamo tuttora. C'est. En tout cas, même si c'est un tout petit musée, c'est très intéressant et je suis sûr que ça intéressera les passionnés d'automobile, de course automobile qui regardent ce matin Turbo. Je vous remercie infiniment. À très bientôt. Okay, grazie à vous. Au revoir. On continue Turbo, tout de suite après la pub.